Oh là là, quel fan club! J'espère que c'est pas des factures. Non, c'est des devis. C'est parce que, comme je veux pas me faire avoir, j'étudie toutes les possibilités. Je vais vous avouer un truc. Je vous admire. Oui, je sais pas comment vous faites pour gérer tout ça. Eh, le dites pas à ma femme, mais moi, pour les devis, j'ai fait appel à Octave. Ah non, mais moi, j'ai une calculette dans la tête. Allez-y, dites-moi une opération. 7 fois 8. Ouais, mais je suis pas du matin. Tiens, voilà encore des devis. Ça fait combien 7 fois 8 ? 56. Ah ouais, donc si je pose 2, je retiens 3, ça fait 14 560 hors taxe, ouais, mais alors avec le crédit d'impôt, le crédit d'impôt, je vais appeler Josiane. Josiane, c'est qui ? Bah ta cousine, là, qui travaille aux impôts. Janine, ouais, mais ouais, il est 23h30, tu vas pas appeler ma cousine, là, hein ? Hey, salut Josine, Janine, comment ça va ? Ouais, super. Et 23h, oui, plus. Ah oui, oh oui, non, mais j'en ai pas pour longtemps, te rendors pas. Je voulais te demander, justement, le crédit d'impôt pour une chaudière. Ça se passe comment ? Allô ? Elle a raccroché. Bah ouais, elle a raccroché. Ah bah c'est sympa ta famille. Bon bah demain matin, tu sais ce que je fais, moi, je me lève, je vais aux impôts à la première heure. Bah c'est ça, c'est ça. Bah, c'est comme ça, faut tout faire soi-même, quoi. Un homme parcourt 7,8 km à vélo, puis court 500 mètres à pied, il monte ensuite 4 étages de 2,50 m chacun, soit 4 fois 27 marches de 15 cm de haut chacune. Question, quel sera le prix de la chaudière ? Hors taxe ? Et merci ! Saleté de pneus, quoi. C'est dommage, vous venez de louper Octave. Ah, ouais, bah moi je vais me coucher, là. Octave vous aide dans toutes vos démarches pour vos travaux de rénovation. Pas les formulaires, hein. Les escaliers, non. Ah, oh, j'ai soif. Tu crois pas qu'on devrait faire appel à Octave ? C'est qui, Octave ? Octave, l'expert qui simplifie la rénovation énergétique de votre maison. Un service mis en place avec le soutien de l'ADEME et la région Grand Est. Plus d'infos sur octave.fr.